Tout s'est déroulé comme programmé. Parti de Lubumbashi, son fief, le vendredi après-midi. Le football club Saint-Éloi-Lupopo a finalement posé ses bagages à Benghazi, en Libye, ce samedi 4 mars 2023, après deux escales, d'abord à Addis Abeba, puis au Caire en Égypte. Un long trajet qui n'a rien enlevé à la détermination des cheminots qui débarquent dans la deuxième plus grande ville du pays de Muammar Kadhafi pour non seulement confirmer après le premier succès, mais aussi et surtout améliorer leur classement en vue d'une qualification. Le match aller, on a gagné 1-0. Ça nous a relancé dans le groupe. Si nous sommes venus ici, nous sommes bien arrivés en Libye. C'est pour avoir les 3 points. On donnera tout pour avoir les 3 points et pour penser à la qualification en quart de finale. On ne peut que dire aux fanatiques de Lupopo de nous soutenir. Bien sûr qu'ils sont loin, mais leur apport nous donnera beaucoup de force de remporter ce match du mercredi. 24 heures de voyage nécessitent des stratégies efficaces de récupération, à commencer par le décrassage pour éliminer les déchets. Monsieur Guilain Tengou est médecin principal de l'équipe. Nous sommes organisés juste à notre arrivée. Déjà, il y a une séance pour permettre aux joueurs d'éliminer davantage les déchets. Nous avons aussi apprécié l'organisation du comité sportif de nous amener au lieu de la rencontre à temps. C'est-à-dire on va dégraisser, on aura le temps de récupérer les joueurs pour être prêts le mercredi. Jusqu'à présent, la situation médicale est relativement calme. Nous avons un seul joueur qui est passé d'ailleurs en phase de réathlétisation, c'est Ouga. D'ici là, il va rentrer dans le groupe, mais le reste du groupe est serein et ils sont prêts pour la rencontre de ce mercredi. Direction le terrain, aussitôt après s'être installé en plein Benghazi. Une séance nocturne pour entamer la dernière ligne droite de la préparation de l'un des matchs les plus importants de la saison. Pour achever Al-Kadar à domicile, les protégés du boss Jacques Yaboula Katoué vont s'appuyer sur la performance du tour précédent, à savoir le succès contre Kadougo à Cotonou. Attendez.